Quel est le secret des bons lycées? Le classement des meilleurs établissements a été publié aujourd'hui. Il récompense les écoles qui permettent aux élèves de s'épanouir et de progresser. Notre enquête dans quelques minutes. Autre chose à présent, ils sont publiés chaque année, ils font la une des journaux. Si vous faites partie des 12 millions de parents d'élèves, vous avez sans doute lu avec attention le dernier palmarès des lycées. Cette année, l'Éducation nationale met à l'honneur les établissements qui permettent à tous les élèves de parvenir au baccalauréat. Gwenaëlle Bellec et Éric Josset ont suivi quelques heures de cours dans l'un de ces lycées distingués, tout près d'Amiens. Garde bien ton inclinaison, toujours la même inclinaison. À 15 ans, guidé par son prof de maths, Fouad est dans un simulateur de vol. En classe de seconde, il prépare son brevet d'initiation à l'aéronautique. Je ne pensais pas qu'il y aurait un simulateur de vol comme ça. Son prof de maths emmène les volontaires voler en aéroclub. Un projet pour travailler les maths de façon concrète, en plus des cours. Les élèves ne sont pas du tout obligés de venir, ils viennent de façon passionnée, même au-delà de 19h30 parfois. Je viens par passion. Et des vocations naissent. L'année prochaine, Tom, 17 ans, partira dans une école d'aéronautique au Québec. Nous sommes pourtant loin des lycées parisiens très réputés qui sélectionnent leurs élèves à l'entrée. À Doullens, les enseignants tentent de faire progresser chaque lycéen. Voici un cours connecté, une pédagogie dite inversée. Les élèves ont préparé les cours avant de venir en classe, grâce à des vidéos mises en ligne par l'enseignante. Là, je vais sur le site de la classe, parce qu'on a un site spécifique pour notre classe. Nous allons définir le risque social, mais également définir la protection sociale. Je préfère ça que du cours basique, comme on faisait avant. On essaie d'innover régulièrement pour leur permettre d'avoir les meilleurs outils pour réussir. 60% des familles de ces élèves vivent avec un SMIC ou moins encore. Cela complique parfois les parcours. On peut considérer qu'il y a une difficulté pour ces élèves à se projeter dans un avenir serein. Donc à nous de les accompagner. Père est un homme remarquable. La fierté ici, ne laisser personne sur le bord du chemin, permettre aussi l'accès à la culture. Donner l'envie de réussir. Les résultats au bac vont jusqu'à 95% de réussite en filière générale, mieux que beaucoup d'autres lycées équivalents.